Des films de... Oh, Hassoun. Oh, c'est qui? C'est un jumeau. Ouais. Ah, mes jumeaux. Parce que c'est un peu comme moi, il vient de mon ethnie, presque du même village, etc. Konodum Kei, Anka Halpular, Mashallah, 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 comme on dirait. C'est en France que tout a commencé pour le cinéma avec ses inventeurs, les Frères Lumière. Et le pays continue d'y marquer son empreinte avec le Festival de Cannes. Cette histoire centenaire, on la vit aussi en s'installant dans un cinéma emblématique des années 20, encore en activité, et témoin de la relation si particulière que les Français ont avec le 7e art. Les Parisiens aiment le cinéma. C'est comme on est la ville au monde, je ne crois pas me tromper, où il y a le plus de cinéma. Je dirais qu'il y a la palette de tout ce qui concerne le cinéma à Paris. Paris est très filmé, très cinématographique. François Truffaut, dans les 400 coups, le premier plan des 400 coups, c'est la Tour Eiffel. Amélie Poulain, qui est un film qui a fait une carrière internationale. Les quais de la Seine, Woody Allen a filmé les quais de la Seine. C'est très très présent encore aujourd'hui dans le cinéma, mais aussi dans les séries. I live here now. Où en est le cinéma français aujourd'hui? C'est un cinéma très, très riche, à la fois un cinéma populaire et un cinéma d'auteur. Cette année, Anatomie d'une chute a permis à la France d'avoir la Palme d'Or. On est un des pays au monde qui produisons le plus de films. Voilà, c'est un savoir-faire français. Ce savoir-faire a connu un pic de visibilité dans les années 60 avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague qui proposent de nouveaux modes de tournage et de montage, un héritage qui a encore des résonances dans le cinéma mondial. Joyeux Noël, fait! Mais le cinéma français est aussi très varié en genre, avec des comédies populaires devenues des classiques. Il y a une belle tête de vainqueur. Et c'est cette diversité que transmet encore aujourd'hui ce club vidéo, résistant d'un autre temps. Comment ça vit encore, un club vidéo comme ça? Il en reste plus beaucoup maintenant. Alors, il y a la réputation, la richesse du stock, surtout qui fait que les gens viennent ici trouver ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. En streaming, on trouve pas tout. Les visiteurs... Oh! Brise-Denis! Efficace! Efficace! Qu'est-ce qui est le plus loué? C'est vrai que c'est plutôt film d'auteur ici. Ouais. Costa Gravas, ça se loue très souvent. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ça, vraiment. Mm-hmm. C'est son premier film. Compartiment de soir. L'Homme du train, c'est un très, très bon film avec Rochefort et Johnny Hallyday. Ah, je connais pas. Mm. C'est super varié. Il peut y avoir des bons films en comédie. Ça, c'est une vraie bonne comédie populaire française. Didier. Ouais, c'est génial, ça. Bah, c'est un classique des classiques, là. C'est... Il y en a qui disent, il n'y a plus rien de bien aujourd'hui, mais non, il y a toujours des bons films. Hein. Et le cinéma français, ce sont ses cinéastes qui en parlent le mieux. Claude Lelouch, 51 films à son actif, nous a gentiment accueillis dans ses studios. Moi, j'aime tous les cinémas du monde. Et aujourd'hui, le cinéma français a donné envie à tous les cinémas du monde de faire des beaux films. Et puis la France, c'est cinématographique. On n'a pas besoin d'avoir du talent. Hein. Même un imbécile peut filmer Paris. Et on a tout aimé. C'est ce qu'on a fait pendant 3 semaines. Lumière sur Paris. Une présentation d'Ozempic. Est-ce qu'Ozempic vous convient? Demandez à votre médecin.